Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous emmener avec moi faire les encombrants de ma ville. Donc d'habitude, je fais mes fouilles dans plusieurs secteurs. Pour cette vidéo, je n'ai fait qu'un secteur. Pour vous montrer un petit peu comment ça se passe pour les personnes qui ne connaissent pas, parce que j'ai beaucoup de questions qui reviennent depuis que je présente ce type de vidéo de relooking encombrant, à savoir si je récupère dans la rue ou bien en déchetterie. En déchetterie, c'est interdit à partir du moment où les gens ont déposé leurs produits dans la benne. Il arrive que parfois on arrive à s'arranger avec les personnes quand ils sont en train de vider leur voiture, mais il faut savoir que dans les déchetteries, comme j'ai dit précédemment, une fois que c'est dans la benne de la déchetterie, on ne peut plus récupérer. Du coup, c'est bel et bien dans la rue que ça se passe, et donc ça se présente comme ça. On va au pied d'immeubles ou devant les maisons trouver des tas d'encombrants, donc qui sont déposés comme ça à même le sol, et donc on va nous, si l'on est intéressé, pouvoir les récupérer. Donc là, au niveau du tas numéro 1, comme vous avez pu le voir, on a une commode qui me semble être une commode Ikea. Là, malheureusement, il manquait un tiroir. Je dis pas qu'il n'était pas possible d'en faire quelque chose, mais moi, je n'ai actuellement plus la place de stocker ce type de grosses pièces. Donc, j'ai préféré attendre de faire le tour de tous les tas qui étaient présents pour voir si j'allais la récupérer ou non. Donc là, on a une petite chaise en bois. On a un siège de gamer, je crois qu'on appelle ça comme ça. On va également ici avoir une table basse et un petit meuble. Donc celui-ci m'avait tapé dans l'œil, mais finalement il était beaucoup trop endommagé pour que je le récupère. Donc là voilà la table. Et ici on a une espèce de chauffeuse, je crois qu'on appelle ça comme ça, mais elle est beaucoup trop endommagée pour pouvoir en faire quelque chose, je pense. Quoique la structure pourrait être récupérée pour en faire une banquette si elle était totalement déshabillée. Et donc voilà, dans ce tas numéro 1, pour moi, aucune récup, il n'y avait rien qui m'intéressait. On va maintenant pouvoir passer au tas numéro 2. Donc dans ce tas, il y a un canapé qui est un canapé en espèce de daim ou de, je ne sais pas comment dire, de cuir, bref, un canapé quoi, qui est plutôt en bon état, et on a ce qui me semble être une structure de lit. Voilà, je pense que c'est un lit ou bien une armoire, je sais pas trop. Il y a le miroir, je dirais plus une armoire finalement. Dans ce tas, il n'y a pas grand chose, mais j'ai quand même récupéré une pièce. Donc je ne vous montre pas tout de suite ce que je récupère, je vous laisse la surprise. Je vous montrerai toutes mes trouvailles en fin de vidéo. Donc voilà, pour ce tas, il y avait vraiment pas grand chose, comme je vous dis, si ce n'est ce canapé et toutes ces planches de bois. Je vais donc pouvoir me diriger vers le tas numéro 3. Donc ici, on a un petit peu plus de choses que sur les deux derniers tas que j'ai pu faire. On a encore une fois un canapé. Ici, on a un meuble et une table. Un autre meuble en bois. On a également un lit, donc avec sommier et matelas. On peut voir qu'à part les tâches, c'est des matelas qui sont en très bon état. Ici, on a un meuble télé avec une plaque, une sorte de plaque de verre. Là, on a une table basse qui, encore une fois, est en bon état. Bon, les pieds sont cassés. Ici, le canapé qui, lui, est pas mal endommagé. Là, on a ce joli petit meuble en bois qui est très sympa, je trouve. Et on a d'autres petites babioles, notamment, je crois, un tiroir de lave-vaisselle, de la cagette. Et donc cette table qui est plutôt pas mal. Je vais vous le dire tout de suite, je ne l'ai pas récupérée, mais je le regrette, parce que même si les pieds sont cassés, d'ailleurs ce type de table avec ce type de pied, j'en trouve très souvent, et pareil, on voit que les gens ont essayé de rafisteler avec du mastic, ça n'a pas l'air de tenir beaucoup. Donc comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas récupérée, mais je regrette de ne pas l'avoir récupérée parce que je sais que j'aurais pu en faire quelque chose. Malheureusement, c'est trop tard, tant pis pour moi. Par contre, j'ai récupéré deux pièces dans ce tas, encore une fois, vous verrez à la fin de cette vidéo. On passe maintenant sur le tas numéro 4. Donc là, j'étais déjà passée à ce niveau-là la semaine d'avant. Ça n'avait pas été ramassé. Je n'avais rien récupéré. Par contre, il y a d'autres pièces qui ont été ajoutées. Et ce qui est même bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des pièces qui étaient dans un tas, donc dans ce tas la semaine dernière, et qui étaient dans un autre tas que j'ai visité juste avant. C'est très bizarre. Peut-être que je me trompe, que c'est une coïncidence, mais les pièces étaient quand même pas mal ressemblantes. Du coup, ici,
Je crois que je n'ai récupéré qu'une seule pièce que vous verrez en fin de vidéo. Donc on a là cette petite desserte qui est plutôt pas mal. Là on a pas mal de bazar, un petit meuble, pas mal de portes. Donc ça, c'est des choses qui peuvent servir, hein. Il y a des personnes qui en cherchent. Là on a un espèce de petit établi pour enfants. Des jeux aussi pas mal hein, pour les enfants, un cartable. On a ici des tiroirs. On pourrait croire que ce sont les tiroirs de la commode Ikea qu'on a vu précédemment. On a un petit tabouret. Donc là, on a un meuble. C'est peut-être les tiroirs de ce meuble que l'on voit. Ça m'étonnerait parce que c'est pas le même coloris. Là, on a un petit tabouret. Je le trouvais sympa, mais il était infesté de fourmis. Donc j'ai passé mon tour, je ne l'ai pas ramassé. Donc ici, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de choses, mais je n'ai récupéré qu'une seule pièce. J'aurais peut-être pu récupérer d'autres choses, mais comme je vous l'ai dit précédemment en début de vidéo, j'ai pas forcément la place aujourd'hui de stocker comme je pouvais stocker avant. Donc y a des choses que je laisse malheureusement, mais que j'aurais bien récupéré. Maintenant, le tas numéro 5. Donc ici, il n'y avait pas grand-chose. Je crois qu'il y a une espèce de lit ou banquette pliante et également une chaise haute pour bébé qui est en très bon état. Il y a quelques mois, ici, j'ai trouvé une commode Ikea quasiment neuve. Il n'y avait que quelques autocollants collés dessus que j'ai tout simplement enlevé avec de l'acétone et la commode était impeccable. Elle n'était absolument pas endommagée. Je ne veux juger personne, mais parfois je ne comprends pas qu'on puisse jeter des objets en aussi bon état. On pourrait, je ne sais pas, peut-être les revendre ou bien même les donner. Ça pourrait aider d'autres personnes qui en auraient besoin. Donc voilà, dans ce tas, j'ai récupéré qu'une seule pièce et je suis ensuite passée au tas numéro 6. Un petit tas où il y avait pas mal de petites choses sympas. Donc j'ai récupéré quelques pièces, il me semble 3 ou 4 ici. Donc là, on a un espèce de petit meuble, on a également un caddie, une poubelle, un joli vase. On va également y trouver des sortes de corbeilles, donc comme celle-ci, et un petit peu de vaisselle également. On a des sacs, de la vaisselle en plastique encore une fois. On a des béquilles, un joli panier, ainsi qu'un autre sac, un petit peu de tissu, je crois que c'est des rideaux, et cette poubelle, ça peut toujours servir, qui sait. Et donc voilà, donc pour ce petit tas, mais que j'ai trouvé très intéressant. Là j'ai vidé la corbeille et j'ai trouvé en dessous des planches à découper qui sont plutôt sympas. Je passe maintenant au tas numéro 7, il me semble. Donc là, il n'y avait pas grand-chose, en tout cas pas grand-chose qui puisse m'intéresser. On a ici une table à tapisser, je crois qu'on dit ça comme ça. Une table, oui, bah pour le papier peint, une table à tapisser. On a une table à repasser qui, pareil, était en bon état. Pour des gens qui pourraient en avoir besoin, il suffit juste d'acheter une housse et voilà, on a une table à repasser. On a une corbeille à linge, ici, un égouttoir à vaisselle, un coussin ou une couette, je crois, et un morceau de banquette. La banquette, elle, peut être intéressante au niveau de la structure qui pourrait être réutilisée afin d'en réaliser une neuve. Je sais que si j'avais eu ma maison encore, je l'aurais peut-être récupérée afin d'en faire un projet. Le tas numéro 8, maintenant un tout petit tas. D'ailleurs, depuis le début de cette vidéo, il n'y a que des petits tas. Je n'ai fait qu'un secteur, comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, mais si jamais ça vous intéresse que je vous fasse d'autres vidéos, j'irai dans d'autres secteurs et là, vous allez voir, il y a des montagnes sur les trottoirs. C'est vraiment impressionnant tout ce qu'on peut trouver. Donc ici, j'ai filmé, mais finalement je n'ai rien récupéré, il n'y avait rien d'intéressant, donc une petite valise et le reste, c'était des cartons, un petit peu de moquettes et une table qui était cassée d'un côté. La structure aurait pu être intéressante, il suffisait juste d'enlever le dessus et réutiliser la structure pour réaliser un autre petit meuble. On passe maintenant au tas numéro 9. Un tas où il y avait pas mal de choses, mais j'ai pas pu tout vous filmer parce qu'il y avait une petite dame juste à côté qui était en train de récupérer des choses. Elle a récupéré pas mal de vaisselle et il y avait également un couple qui attendait derrière nous avec leur camion pour récupérer également. Donc là, on a une table, on a encore pas mal de literie, donc sommier et matelas. On a une chaise
Qu'est-ce qu'on va avoir encore? Cette jolie étagère blanche, on a des tiroirs, un matelas et pas mal d'autres petites babioles. J'ai récupéré sur ce tas deux pièces que vous verrez juste après. Voici maintenant le tas numéro 10, donc ici très peu de choses. Il y a là trois chaises qui sont plutôt sympas, donc il me semble qu'il y en a une qui est cassée, qui est au sol. Oui, c'est ça, on voit l'assise qui est un petit peu plus loin. Donc j'aurais pu habituellement récupérer ces quatre chaises que je trouve assez sympas. J'aime beaucoup la couleur de l'assise, mais là encore une fois, je dois être sélective parce que dans ma petite cave qui me sert d'endroit de stockage, il y a très peu de place, donc je passe mon tour, je laisse à d'autres personnes qui pourraient avoir envie de les récupérer. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, juste à côté, il y avait des gens qui étaient en train de récupérer qu'un camion, donc peut-être qu'elles vont avoir envie de les prendre. À part ces chaises, rien de bien intéressant, il y avait rien d'autre selon moi qui valait le coup d'être ramassé. Concernant les chaises, si je les avais récupérées, je pense que j'aurais gardé la couleur originale de l'assise après un bon nettoyage et que j'aurais peint le bois avec des coloris différents, donc c'est-à-dire pourquoi pas une rose, une bleue ou une verte, de façon à faire un petit mix et ça aurait pu faire quelque chose de plutôt cool. On passe maintenant sur le 11e tas et je crois qu'on va arriver presque à la fin. Donc ici on a une sorte de gros pouf ainsi qu'un miroir et des babioles qui sont pas très intéressantes. Ici dans un sac on va avoir un petit peu de vaisselle, donc casserole, on a également un fait-tout. Là on a une plaque qui va au-dessus d'une hotte, du gazon artificiel et comme je vous l'ai dit, rien de bien intéressant pour ce tas. Donc je vous montre quand même un petit peu le contenu du sac. Il y a des casseroles, une cocotte, une poêle. Et puis voilà, il y a des gens qui aiment récupérer de la vaisselle. Tout à l'heure, il y avait une dame juste avant qui en récupérait. Là, on a des portes de placard. Ça peut également servir. Là, le dessus de la hotte et le reste, c'est tout simplement des emballages vides. Le tas suivant, le tas numéro 11. Il y a ici cette sorte d'armoire, de vaisselier, je sais pas trop, qui est vraiment très jolie. Donc c'est Ikea, on peut voir l'étiquette qui est en bas à droite. Cette pièce est cassée, mais je pense qu'il aurait été possible d'en faire quelque chose de sympa. Donc le fond qui n'est plus sur la pièce, les plaques se trouvent en dessous, donc j'aurais pu les récupérer et les remettre en place. Ici, donc à gauche, il y a une partie qui est cassée, donc qui sert également de pied. Se trouve par terre juste derrière, donc je vais vous la montrer juste après. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a dans le tas d'encombrants. Il n'y a rien à part des poubelles et quelques babioles. Il y a une sorte de caisse et un tapis. Donc là, j'aime beaucoup, vous voyez le haut de cette pièce qui est vraiment très sympa. Je l'aurais récupéré. J'ai pas pu malheureusement, mais ça m'a fait un petit peu mal au ventre. J'aurais pu le retaper en remettant les fonds de la peinture, la partie cassée et des étagères. Ça aurait pu faire vraiment une très belle pièce. Donc la partie qui est cassée, elle est juste là. Je l'ai ramassée et je l'ai remise en place. Donc voilà, là je l'ai remise, vous voyez, il aurait fallu reconsolider tout ça, faire un petit joint avec de la pâte à bois et avec de la peinture, ça ne se serait absolument plus vu. Comme je vous l'ai dit, en remettant les fonds à l'arrière et en mettant des étagères, ça aurait réellement pu être une magnifique pièce. Encore une fois, par manque de place, j'ai pas pu la récupérer et en plus de ça, j'avais récupéré déjà d'autres pièces. Donc j'ai été obligée de la laisser sur le trottoir, mais ça m'a fait un petit peu mal au cœur quand même. Le tas numéro 12, et donc c'est l'avant-dernier, je l'ai filmé, mais vraiment aucun intérêt. Il n'y avait vraiment rien à récupérer, il y avait une valise, un sac, des coussins et un morceau de clôture. Voilà, des cartons, et puis en dessous, j'ai pas cherché à regarder ce qu'il y avait. Je n'ai donc du coup rien récupéré ici. On va maintenant passer sur le tas numéro 13. Il y avait pas mal de choses ici, mais malheureusement, la quasi-totalité des choses qui se trouvaient dans ce tas était couverte de peinture. Du coup, j'ai pas trop cherché à fouiner, et puis d'après ce que je vois, même s'il y avait beaucoup d'objets, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose de vraiment intéressant à récupérer ici.
Donc je vous montre quand même. Ici, on a une sorte de chaise. Je pense que c'était une chaise enfant. Le reste, c'est des cartons, un petit peu de livres. Ici, on a un casque de vélo, une cuvette de toilette. Ensuite, on a du bois, une palette également qui se trouve juste ici avec des emballages. On a là un tabouret ou bien une chaise cassée. J'avais pas vraiment regardé. Et puis c'est tout. Voilà, pour ce tas, rien d'intéressant du tout. On passe maintenant sur le 14e et dernier tas. Je pensais qu'il y avait 13 tas, mais finalement, il y en avait un petit 14e. Ici, encore une fois, rien d'intéressant. Et je crois que dans ce tas, je n'ai rien récupéré. C'est plus des poubelles, en fait. Hein. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant sur ce tas ici. Ah oui, il y avait, et donc ça, moi j'ai pas récupéré, mais ça aurait pu servir à certaines personnes. Il y avait des colonnes de salle de bain. Donc vous pouvez les voir deux, l'une à côté de l'autre, une avec miroir et une autre sans miroir. Ça, ça peut tout à fait être récupéré et retapé. Il y avait même le tiroir, je sais pas si vous le voyez, qui allait dans une des deux armoires qui était là. Donc ça, repeint et customisé avec des matières modernes, ça aurait pu faire quelque chose de sympa et ça aurait pu servir à des gens qui en avaient besoin. Peut-être que ça a été récupéré. Je souhaite à certaines personnes de les avoir récupérés pour pouvoir les réutiliser. Dans ce carton, on va avoir un petit peu de vaisselle et d'ustensiles de cuisine. Là, on a un tiroir et une valise. Ici, un petit morceau de plan de travail ou de crédence. Je sais pas trop, mais je pense que c'est un morceau de plan de travail ou quelque chose qui a pu servir de table. Et donc voilà. Voilà tout pour ce dernier tas d'encombrants. Je vais donc maintenant pouvoir vous montrer ce que j'ai récupéré dans ces 14 tas d'encombrants. J'ai récupéré cette chaise haute pour bébé qui est en très bon état. Hormis les taches qu'il y a dessus, elle est très très propre et tout à fait réutilisable. Donc moi, j'ai pas de bébé à la maison, ce ne sera pas pour moi, mais je vais la donner à quelqu'un qui va en avoir besoin dans très peu de temps. Je vais avant ça correctement la nettoyer et elle sera quasiment comme neuve. Au niveau des pieds, on peut voir qu'elle n'est absolument pas endommagée. Il y a quelques taches que l'on peut peut-être apercevoir, mais ça, avec un coup d'éponge, ça va très vite partir. Le plateau, lui aussi, est en très bon état. Il est taché. Il va y avoir un petit peu plus de travail ici au niveau de l'assise qui est en cuir. Donc là, c'est pas un trou qu'on aperçoit, c'est un autocollant qui est dessus. Je vais tout nettoyer, passer tout ça en machine et j'aurai sous la main une chaise qui méritait pas de finir à la poubelle. On continue avec cette jolie pièce que je trouve vraiment très jolie et qui a déjà tapé dans l'œil à quelqu'un que je connais, donc je pense que je vais, après l'avoir rénové, lui donner. Il y a besoin d'un bon coup de nettoyage et d'un bon coup de ponçage. Après un bon coup de peinture, elle sera comme neuve et très jolie. Cette pièce, vous allez me voir la relooker dans une de mes prochaines vidéos, donc qui arrivera très rapidement sur ma chaîne. On continue avec ce très joli chiffonnier, donc qui est en plutôt bon état. Il y a besoin de travailler dessus forcément parce que deux des tiroirs sont cassés, mais il y a possibilité d'en faire quelque chose. Le bois est en bon état malgré le fait qu'il soit taché. Je vais poncer tout ça. J'ai les deux façades de tiroirs donc qui sont là, ainsi que les deux tiroirs qui ont besoin d'être réparés, mais à part ça, il y a possibilité, encore une fois, d'en faire une très jolie pièce qui je vais pouvoir donner une seconde vie. Là, pareil, ce chiffonnier, vous allez me voir le relooker et le remettre en forme et au goût du jour dans une de mes prochaines vidéos. Cette pièce, une fois relookée, je vais la garder pour moi et elle me servira dans ma future maison. Ensuite, on passe sur ce tiroir. Donc, ce petit tiroir traîné dans un petit coin d'un tas d'encombrants, je l'ai récupéré parce que j'ai une idée de création à faire avec que vous pourrez voir aussi dans une de mes prochaines vidéos. Il est en très bon état, il n'y a pas grand chose à faire dessus pour pouvoir réaliser ce que j'ai envie de faire avec. On passe maintenant sur ce tapis de salle de bain en bois. Ce tapis est en très bon état,
à part avoir besoin d'un bon coup de nettoyage, il n'est absolument pas abîmé, ni déchiré, ni cassé. Donc l'appareil, je vais le garder pour moi après l'avoir correctement nettoyé. On passe ensuite sur ce vase que je trouve vraiment très joli. Donc ça, pareil, je vais le relooker dans une de mes prochaines vidéos. Donc je vais juste le rafraîchir et le mettre un petit peu au goût du jour avec une couleur un petit peu plus tendance. Il va soit me servir de vase, mais ou bien me servir de pied pour réaliser une sorte de petite table. Je ne sais pas trop encore. Quoi qu'il en soit, je l'ai pris parce que je le trouvais plutôt mignon et assez facilement réutilisable. J'ai ensuite récupéré ces trois planches à découper. Donc la grande, je ne sais pas trop ce que je vais en faire encore. Les deux petites, je suis vraiment très contente de les avoir trouvées parce que ça fait un moment que j'en cherche pour une idée de décoration que j'ai dans ma cuisine. J'étais même prête à aller en acheter parce que je voulais vraiment réaliser ce projet. Du coup, j'ai trouvé ces planches, ce qui tombe très bien. Là, ces planches, je vous proposerai aussi l'idée en vidéo. Ça pourrait vous servir et surtout vous plaire. On passe maintenant sur ce très joli panier qui est en très très bon état. Il est vraiment absolument pas abîmé, donc bien évidemment il va être nettoyé en profondeur. Et ce panier, je vais le garder pour mon futur atelier. On passe maintenant sur cette pièce. Donc je pense que cette pièce c'est une ancienne tête de lit. Je suis pas réellement sûre, ça m'étonnerait quand même que ce soit une tête de lit, mais c'est ce à quoi ça me fait penser. Ou bien peut-être une étagère tout simplement. En tout cas, je vais la nettoyer. Comme vous pouvez le voir, encore une fois, c'est en très très bon état. Là, il n'y a vraiment aucun accroc, il n'y a rien besoin de faire si ce n'est le nettoyer. Moi, je vais le garder encore une fois pour mon futur atelier que je crocherai au mur afin d'y mettre tous mes pots de peinture ou bien du matériel de bricolage. Et je suis très contente d'avoir trouvé cette pièce parce qu'elle va m'être très utile. On continue maintenant avec cette desserte. Donc au niveau de cette pièce, il y a du boulot déjà pour commencer, un bon coup de nettoyage, mais également un bon coup de ponçage. Hormis ça, encore une fois, c'est en bon état et tout à fait réutilisable. C'est une pièce qui a déjà été peinte quand on la retourne, et vous le verrez en vidéo quand je vais la relooker. Quand on la retourne, on peut voir les traces de pinceau parce que le dessous de la pièce n'a pas été repeinte. De base, c'est une pièce qui était en bois brut et qui était repeinte en noir. Donc là, au niveau du bas, il manque une roulette. C'est pas grave, je supprimerai l'autre et je taillerai les pieds pour que tout soit à niveau et ce sera réutilisable dans mon futur atelier, encore une fois, atelier que je pense aménager entièrement avec des pièces de récup. Quand on voit ce qu'on peut trouver aux poubelles, je vois pas l'intérêt, en tout cas c'est ce que je pense, je ne veux vexer personne, d'aller se ruiner dans les magasins. On continue et termine avec cette petite table. Donc cette petite table, je ne l'ai pas récupérée hier. Donc les images que vous voyez aujourd'hui, ce sont des images qui ont été filmées hier lors de ma récup. J'ai récupéré ça il y a un petit moment déjà, une table que j'avais laissée de côté. Donc je voulais vous la montrer parce que c'est une des dernières pièces qui me restait à relooker. Vous verrez sa remise au goût du jour également dans une de mes prochaines vidéo. Et donc voilà tout ce que j'ai pu récupérer en fouillant les encombrants pendant à peu près 30 à 45 minutes et seulement dans un secteur. Si j'avais eu plus de place, eh bien il y a d'autres pièces que j'aurais récupérées. Malheureusement, je ne peux pas tout prendre actuellement. Je suis assez limitée, mais je suis déjà très contente de ce que j'ai pu récupérer. Donc voilà, cette vidéo récup d'encombrants est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a fait plaisir de voir un petit peu comment ça se passe lors de mes récup et surtout comment je fais pour récupérer. Si jamais d'autres vidéos de ce style vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Je fais des récup assez régulièrement et donc je pourrais vous proposer d'autres vidéos de ce type. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celle-ci en commentaire. Vous pouvez la liker et la partager si vous le voulez. Moi, je vous retrouve très prochainement pour vous proposer de nouvelles idées, notamment le relooking de certaines pièces que vous avez vues dans cette vidéo. Et bien, en attendant de vous retrouver, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye!